Il était une fois loin, très haut au-dessus de la terre, un long nuage bleu qui était le royaume du roi Niamey. Le roi gouvernait son peuple avec sagesse. Un jour, il décida qu'il était temps de choisir une épouse et il demanda à son sorcier de lui présenter les jeunes filles à marier. 4 très belles jeunes filles furent amenées au roi et elles étaient toutes si belles qu'il ne sut choisir. Alors il demanda à la première qui s'appelait Akoko et qui portait un diadème de perles blanches « Que ferais-tu si je t'épousais ?»« Grand roi, je prendrai soin de ta maison et la tiendrai toujours fraîche et accueillante pour ton retour le soir. » Niamey sourit et demanda à la seconde habillée de bleu « Que ferais-tu si je t'épousais ?»« Je te préparerai les meilleurs repas et je serai heureuse d'accueillir et régaler tous tes invités tous les jours. » Niamey sourit et demanda à la troisième habillée de vert « Que ferais-tu si je t'épousais ?»« Je filerai pour toi le coton pour tes robes et j'irai chaque jour puiser l'eau du fleuve pour tenir un bain frais à ton retour. » Niamey sourit et demanda à la quatrième, habillée de mauve, « Que ferais-tu si je t'épousais ?» Elle répondit timidement, « Niamey, si tu m'épousais, je t'aimerai de tout mon cœur, et je te donnerai un fils tout en or, brillant comme le soleil. » Niamey choisit cette belle jeune femme et lui offrit la couronne de reine. En signe d'acceptation, la jeune mauve lui offrit un bouquet de fleurs. Puis le sorcier, couvert de ses plus belles peintures de cérémonie, amena les poupées magiques et maria Niamey et la reine mauve devant tout le peuple, les guerriers, les chasseurs, les danseuses, hommes, femmes, enfants. Avec ses deux autres compagnes, Akoko assistait au mariage et souriait. Mais elle était très jalouse et furieuse du choix du roi. Elle espérait pouvoir prendre sa revanche et s'arrangea pour rester au service de la jeune reine en qualité de dame de compagnie. Elle allait lui chercher l'eau, elle l'aidait, elle restait avec elle. Le temps passa et un jour le roi fut appelé dans un village lointain de son royaume pour régler quelques affaires entre ses sujets. Il devait s'absenter plusieurs semaines, la reine attendait un bébé et ne pouvait l'accompagner. Vêtu d'une simple robe de guerrier, il se mit en route. Pendant son absence, la reine mit au monde non pas un, mais deux bébés. Un bébé tout en or, brillant comme le soleil, et un bébé tout en argent, luisant comme la lune. Ils étaient magnifiques. Bientôt, on annonça le retour du roi pour le lendemain. Il approchait rapidement. Pendant la nuit, Akoko s'enveloppa de voiles sombres pour ne pas être reconnue, mit les deux bébés dans un grand panier et partit tout au fond de la forêt, loin, très loin, pour aller y perdre les enfants. Là, se disait-elle, les bêtes sauvages les dévoreront. En revenant, elle ramassa deux grosses grenouilles vertes dans une mare qu'elle mit dans le berceau des bébés avant d'aller se coucher discrètement. Quand Niamey arriva à l'aube, Akoko était la première à l'accueillir et lui montrait le berceau en lui disant « Regarde les beaux enfants que t'a donné la reine !» Voyant les énormes grenouilles, le roi, stupéfait et furieux, appela la reine. Celle-ci fut horrifiée, désespérée et incrédule. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé et ne put rien expliquer au roi. Alors Niamey la chassa et la bannit aux confins de son royaume, tout au bout du nuage bleu, là où commence le vide. Pendant ce temps dans la forêt, les bébés s'étaient éveillés dans le panier et ils brillaient comme un soleil et une lune. Un chasseur qui passait par là fut attiré par cette lueur et s'approcha. Il vit deux merveilleux enfants, l'un tout en or, l'autre tout en argent, abandonnés là pour être mangés par les bêtes sauvages. Le chasseur décida de les prendre et de les protéger, puisque leurs parents n'en avaient pas voulu. Ce chasseur était très pauvre et vivait uniquement des animaux qu'il attrapait et des peaux ou plumes qu'il pouvait vendre.
Mais quand le bébé tout en or riait et bougeait, des paillettes d'or tombaient de sa peau. Mais quand le bébé tout en argent riait et bougeait, des paillettes d'argent tombaient de sa peau. Et le chasseur n'avait qu'à les ramasser et à les vendre à la ville voisine pour acheter ce qui lui était nécessaire. Il fit alors construire une plus grande maison pour abriter ses enfants qui grandissaient. Et peu à peu, d'autres maisons et d'autres huttes s'élevèrent aux alentours pour former une véritable petite ville. Le chasseur apprenait aux enfants à chasser, à chanter les chants traditionnels, à faire des exercices, à faire du sport. L'enfant tout en or était un véritable artiste, capable de chanter d'une voix magnifique, de jouer de la musique, de déclamer des poèmes et des contes. L'enfant d'argent était un véritable athlète, sautant, courant, grimpant comme un champion, faisant des cabrioles. Et ils étaient heureux tous ensemble, et le temps passait. Un jour, le sorcier du roi Niamey, qui était aussi le médecin du royaume, eut besoin de plantes, de racines et de fleurs pour composer les remèdes, les pilules, les pommades qui entraient dans sa pharmacie. Il partit donc dans la forêt profonde, très très loin, là où poussent les remèdes efficaces. Mais il fut bien surpris de voir la forêt s'éclaircir au lieu de s'assombrir et de s'épaissir, et de voir une petite ville là où il pensait trouver de grands arbres. Il entendait des rires et des chants, alors il s'approcha doucement pour voir un vieux chasseur assis, en train d'encourager deux enfants. Un enfant tout en or, qui brillait comme le soleil et chantait comme un ange. Un enfant tout en argent, qui luisait comme la lune et sautait comme une antilope. Il reconnut immédiatement les fils du Niamey disparus si mystérieusement jadis. Le chasseur avait de bonnes oreilles, il avait entendu quelqu'un s'approcher et repartir doucement. Il avait compris qu'on avait percé son secret et qu'on allait avertir le roi Niamey. Et s'il ne voulait pas passer pour un voleur d'enfants, il fallait vite les reconduire à leur père. Heureusement, le chasseur marchait vite et il connaissait tous les raccourcis de la forêt. Les enfants étaient agiles et impatients de rencontrer leur père. Alors, ils arrivèrent devant Niamey et le chasseur lui dit « Roi, je t'ai amené deux enfants extraordinaires que j'ai trouvés il y a longtemps dans la forêt, abandonnés pour être dévorés par les bêtes sauvages. Je leur ai appris à chasser, à chanter, à faire de la musique, à être de bons gymnases. » Et le roi vit un enfant tout en argent qui luisait comme la lune et accomplissait les acrobaties les plus difficiles. Et le roi vit un enfant tout en or qui brillait comme le soleil et qui se mit à lui chanter d'une voix pure les aventures des enfants de Niamey depuis leur naissance. Niamey reconnut ses fils et les serra contre son cœur en pleurant. Il dit au chasseur que désormais il resterait avec eux et deviendrait le chef des chasseurs du royaume. Et il ordonna qu'on aille immédiatement chercher Akoko pour qu'elle s'explique. Akoko fut obligée d'avouer que c'est elle qui avait jadis fait l'échange des bébés et des grenouilles. Niamey la bannit à vie et la condamna à remplacer la reine dans son exil tout au bout du royaume, là où commence le vide. Puis il alla lui-même chercher la reine seule et désespérée, qui avait laissé pousser ses cheveux pour cacher son chagrin et sa honte, et ses cheveux si longs, si bruns et si bouclés la couvraient tout entière. Le roi Niamey implora son pardon et lui montra les beaux enfants qui lui étaient rendus. La reine les serra sur son cœur, le fils tout en or, beau comme un soleil, le fils tout en argent, précieux comme la lune. Et elle sourit à Niamey. Alors, le roi appela tout son peuple à venir admirer ses fils et sa femme retrouvés. Les chasseurs, les guerriers, les danseurs, les hommes, les femmes, les enfants, et les deux jeunes filles de jadis qui depuis étaient mariées. Seule Akoko n'était pas là, et on ne la revit jamais.